des destinations les plus prisées d'Asie. Sauvage, dépaysante et abordable. Des plages de rêve, des sites historiques grandioses, des montagnes verdoyantes et des habitants très accueillants. L'an dernier, le Sri Lanka a attiré plus de 700 000 touristes. À Roissy ce matin-là, 50 Français s'apprêtent à y partir pour participer là-bas à un grand jeu d'aventure. Florian est audioprothésiste à Aix-en-Provence. Il s'est inscrit pour vivre des vacances hors du commun, très loin de son quotidien. Bonjour, enchanté. Cette compétition, les participants vont la faire en binôme. Et comme la moitié du groupe, Florian ne sait pas du tout avec qui il va concourir. Bah, j'attends un binôme que j'ai jamais rencontré. Je ne sais pas qui ce qu'il fait dans la vie, qui il est, voilà. J'en sais rien. Son coéquipier, ce sera lui. Maf Desrouleaux, de région parisienne, est humoriste et créateur de contenu, suivi par 1 million d'abonnés. Salut tout le monde! Alors, qui est mon binôme? Qui est mon binôme? A priori, rien à voir avec Florian. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Mais ils vont devoir faire équipe et même dormir dans la même chambre pendant 10 jours. J'ai l'impression qu'on est déjà, ensemble, on est déjà... En espérant que tu ronces pas, c'est toujours mieux. Ah, le sujet qui fâche. Ah, on t'a pas dit que je ronflais? Sérieusement, on t'a pas dit que je ronflais? Non. Parmi leurs concurrents, Marine et Florian. C'est parti, ça y est. On n'a plus le choix, là. Allez, c'est bon. Deux médecins de Montpellier qui, eux, sont amis depuis 15 ans. C'est parti. Mais aussi Lucie, venue de Metz, et Sarah, de Besançon. Ces deux copines ostéopathes sont, elles, venues avec un objectif. Gagner. Ils partent donc à 8500 km de chez nous, sur cette île de l'océan Indien qui fait 8 fois la taille de la Corse. Ils ont payé 3200 euros chacun, billets d'avion compris, pour participer à ce jeu qui va les emmener dans les plus beaux lieux du Sri Lanka. Une façon unique de découvrir le pays. 700 km à parcourir. Et des challenges à relever pour remporter la compétition. Florian et Maf vont-ils réussir à s'entendre? Bien, faut qu'on travaille en équipe parce que là, j'ai l'impression qu'on se disperse. La solide amitié de Marine et Florian va-t-elle les aider dans ce jeu? On se connaît par cœur depuis 15 ans, quoi. Ça, c'est un atout. Lucie et Sarah vont-elles, comme elles en rêvent, décrocher la victoire? Punaise, on y est! Là, je pense qu'on est vraiment bien placés. Entre paysages de rêve, larmes et grosses galères, embarquer avec ses Français pour des vacances trépidantes au Sri Lanka. Après 15 heures d'avion, c'est dans la région de Sigiriya, en plein cœur du pays, que le périple commence pour nos aventuriers en herbe. Pour leur première nuit, ils posent leurs valises ici, dans cet hôtel au cœur de la jungle. Allez, hein? On a qu'une vie, hein? Leur séjour a été imaginé par Les Aventureurs, une agence de voyage destinée surtout aux 25-45 ans en quête de sensations fortes. Si pendant 10 jours, les participants vont dormir dans des hôtels haut de gamme... Allez, là, on y va, on prend de l'avance. La journée, ils vont se déplacer grâce à un engin plutôt rudimentaire, le tuk-tuk, très populaire en Asie. En voiture, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Pouet, pouet. Leur permis de conduire français les autorise à faire du tuk-tuk au Sri Lanka. Mais encore faut-il avoir le coup de main. Lâche doucement l'embrayage. Mais t'as pas mis la première, là. Faut refaire. Repais. Ah. Voilà, tu l'as. Oui. Écartez-vous.
Là, c'est pas facile, hein. C'est très dur. Demain, pour la première épreuve, Lucie, Sarah et les autres devront maîtriser... Ça part, ça part. ...la conduite de l'engin. On n'y est pas encore, hein. Mais pour l'instant, il faut défaire les valises... ...pleines à craquer. Si les filles ont emmené des shorts et des baskets, elles ont aussi prévu des tenues un peu plus glamour. Le jour, on est en mode sportif randonnée et puis le soir, on se transforme en Cendrillon avec les robes. Sarah et Lucie ont aussi apporté tout un tas d'accessoires. Car les participants vont devoir se déguiser et décorer leur tuk-tuk. Et elles ont bien l'intention de se démarquer. Voilà, donc notre tuk-tuk, il va être girly, avec des petites fleurs. Il faut qu'on décore et on gagne des points. On vous avait dit qu'on était là pour la gagne et qu'on ne faisait pas les choses à moitié. Demain, la compétition commence pour de bon. Il est à peine 9h du matin. Les 25 binômes ont déjà sorti leurs plus beaux costumes. C'est bon comme ça? Et relookent activement leur tuk-tuk. C'est donc la première épreuve du jeu. Les filles ont opté pour Mario et Luigi et pour une décoration florale de leur bolide. C'est pas mal les fleurs là. Ouais, c'est bien. Ça va. Elles se font appeler l'ostéogang. Chaque binôme a son nom. Pour Florian et Maf, qui ont choisi un thème doré, c'est la New Team. Et pour nos deux médecins, les Codocs. Les deux amis ont misé sur cette panoplie sophistiquée de Ken et Barbie. Il fait une chaleur sous la perruque, c'est un enfer. À chaque épreuve, les participants cumulent des points, mais ils ne connaîtront leur score qu'à la fin du séjour. Mais il y a du lourd, hein. Y a du lourd. Franchement, il y a du pas mal, hein. Le niveau est assez haut, quand même. Déjà dans la compète. Ce jeu d'aventure, dont c'est la première édition au Sri Lanka, a suscité un engouement inattendu. Les places se sont vendues en quelques semaines. T'as ce côté fun, rencontre, et tous les gens sont dans le même état d'esprit, en fait. C'est des gens qui viennent en solo ou en duo, qui sont des gens un peu dynamiques, un peu fun, un peu drôles. Enfin, regarde, t'as un dinosaure qui est en train de pousser un tuk-tuk. Tu verras ça nulle part, quoi. Tu vois, non, mais t'es... Oh là là. Oh là là. C'est enfin l'heure du départ. Il faut maintenant prendre la route. Wouh ! Allez, roulez ! Cette compétition n'est pas une course de vitesse. Chaque jour, les binômes doivent parcourir entre 80 et 100 km, mais à leur rythme. Je ne vois rien avec ma perruque. Aujourd'hui, les participants doivent se rendre à Sigiriya, surnommé le Rocher du Lion, un des sites les plus célèbres du Sri Lanka. Mais encore faut-il trouver la route. À gauche, hein. Bah ouais. Attention. Dans ce jeu, le GPS est interdit. C'est le retour de la bonne vieille carte routière et de la débrouille. Kibisa? Kibisa? Yeah? Kibisa? Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sigiriya, ouais, on est sur la bonne route. C'est bon? 4 km, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Sigiriya, c'est l'une des splendeurs du pays. Perchées sur ce rocher, à 200 mètres de haut, les ruines d'un ancien palais construit au 5e siècle, aujourd'hui habité par les singes. On va monter tout là-haut. Waouh, il faut du cardio, hein, pour ça. Nos Français vont devoir gravir les 1300 marches qui mènent au sommet. C'est parti. 1300. Ça va pas être facile. Est-ce que c'est normal, ça? J'ai un point côté des deux côtés. Ça t'est déjà arrivé? Allez. C'est pas évident, c'est pas évident. Parce que là, je suis en train de penser déjà qu'on va redescendre après. Je suis là, je suis dépité. Au milieu de l'ascension, ces imposantes pattes de lion, rares vestiges du 5e siècle, l'entrée de ce dernier escalier qui monte tout en haut. Oula! Ah ouais, faut pas avoir le vertige, j'ai capté. C'est très physique comme épreuve. Je suis fatigué. Mon binôme ne m'attend pas du tout, mais c'est pas grave. Allez, papy! J'arrive!
Oh là 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 là, quelle vue incroyable. Flo, mate-moi ça. Après 45 minutes d'ascension... Sympa, top of the walk. Les voilà enfin au sommet. Pour Florian et Maf, voyager loin de chez eux, avec un coéquipier qu'ils ne connaissaient pas, est une façon de sortir de leur zone de confort, de changer leurs habitudes de vacances. La nature. Magnifique. Même s'il faut réussir à se comprendre. Tout doucement, on se décale. Décale-toi avec moi, il comprend rien, mon binôme. Allez. C'est une super expérience qu'il faut faire absolument dans sa vie. Être en contact avec les autres et découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux pays. Non, sincèrement, t'es pas déçu? Non, vraiment, non, dis la vérité. Ah, mais pas du tout. Pas du à aucun moment, tu t'es dit, bah, est-ce que tu m'as la vu, loose, le mec. Est-ce que tu m'as vu faire une fois la gueule pour l'instant? Franchement, non. De leur côté, au pied du rocher, Lucie et Sarah s'apprêtent, elles, à relever le défi suivant d'un tout autre style. C'est un caca d'éléphant. Faut qu'on le lance. Lancer une bouse d'éléphant. Et ça n'a pas l'air de les rebuter. Tu sais que ça sent rien? Ça sent strictement rien. À chaque fois, les binômes doivent envoyer une photo aux organisateurs. Pour prouver que la mission est accomplie. Vas-y, relevez. Attends, je suis pas là pour enfiler des perles, moi. Au fil des jours, les duos engloutissent les kilomètres, découvrent les paysages, enchaînent les challenges et font tout pour éviter les pannes d'essence. Ça, c'est la vraie aventure, hein. Mais en marge de la compétition, nos Français peuvent aussi s'octroyer des moments de détente. Ah là 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 là, quel paysage, quel décor. Ce jour-là, Florian et Maf ont décidé d'aller voir la mer. Mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu. À la prochaine, tu prendras à gauche. Arrête-toi quand même avant le sable, parce que je pense que sinon on est mort. C'est vraiment Jurassic Park. Hein. Là, c'est chaud, là. Tourne ta roue, tourne les roues devant. Tourne. Allez, c'est bon. Allez, pousse. Ouais. Allez, laisse tomber, laisse tomber. On a fait 10 mètres. J'ai dit, pourquoi je t'ai écouté? Tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Après, il me dit gauche, je vais à gauche. Regardez le sable. Regardez le sable, on peut plus avancer. On n'est pas dans la merde. Comment on va faire? Tant pis pour le tuk-tuk, ils le pousseront plus tard. Ils décident de finir le chemin à pied. Waouh! On n'a pas fait ça pour rien. Ils ont déniché une plage déserte. Le Sri Lanka, c'est 1300 km de côte et une grande partie est encore sauvage. C'est beau, hein? Dans ce séjour, Maf Desrouleaux est le seul à avoir été invité par les organisateurs. On fait ma vidéo ? En échange, il doit poster des vidéos et des photos pour son million de followers. Alors il demande à Florian de lui donner un coup de main. Je suis assistant Instagrammeur, je vais demander des royalties. Attends, je regarde si c'est bien avant de te passer quelque chose. Non, recommence, je suis pas content. Non, je rigole, elle est parfaite. À chaque fois que je lui demande, il fait ça. Ça va, c'est sympa. Ok, passe-moi ton téléphone. Non, t'es cool, tu m'en demandes une ou deux par jour. Ça ouais, va, franchement, je suis pas trop compliqué. Je suis pas trop compliqué. Allez, on va se baigner. C'est magnifique. Y'a personne. Est-ce qu'ils sont au courant, les Sri Lankais, qu'ils ont un truc comme ça? 22 millions de Sri Lankais peuplent ce pays. Et l'idée de ce voyage, c'est évidemment d'aller le plus possible à leur rencontre. Nos deux médecins, les Kodoks, s'attaquent à une mission difficile. Faire une photo de 10 tuk-tuks alignés avec leurs conducteurs locaux. On a combien là? 1, 2, 3, 4, ça en compte pas, 5, 6, 7. Il faut qu'on trouve 3 tuk-tuks. Excuse me? You speak English? English? No, no English, ok. Pas facile de se faire comprendre dans un pays où les habitants parlent le singalais et le tamoul, et pas toujours l'anglais. Can you take this tuk-tuk? There. No problem. Nee, there. Can you take the tuk-tuk there?
You drive? Tuk tuk tuk? Langage des signes, de l'anglais, du singalais. Follow me! Voilà! Ils arrivent! La grande coordination de Marine et Florian va beaucoup les aider. Perfect! Perfect! Okay. En quelques minutes, le binôme réussit sa photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon! C'est bon! Le but de ce genre de défi... Moi, je prends une rafale, là! Créer un contact avec les Sri Lankais qui n'existerait pas forcément dans un voyage touristique classique. Wouh! Allez! Ils nous prennent pour des fous, mais les gens, ils sont contents d'aider. Donc ça, c'est quand même dingue. Tu vois, j'imagine en France, l'inverse, t'es aligné 10 voitures avec leur conducteur et un Sri Lankais te dit « On va faire une photo avec 10 voitures !» Ah bon. Nickel, trop bien, on l'a fait. Ça, c'est cool. Mais si pour l'instant, la compétition se déroule plutôt facilement pour les participants, cela ne va pas durer. À la guerre comme à la guerre. Ils sont venus pour l'aventure, ils vont en avoir. Non mais on va quand même pas passer par là. Là, tout là. C'est la galère, l'enchaînement des galères. Dans un instant, vous verrez que les prochains jours leur réservent pas mal d'imprévus. Mais encore des paysages incroyables et de belles surprises. Oh ! Vous saurez aussi qui décrochera la victoire. À tout de suite. Au Sri Lanka, la compétition bat son plein. Pour nos Français, nouveau challenge, l'ascension du rocher Pidurangala. Allez, bombarde, bombarde, bombarde là. Une montée très raide, chronométrée. Je pense que l'infarctus est pas loin. Au milieu de trésors cachés, comme ce Bouddha couché sous la roche. Une épreuve difficile pour Lucie et Sarah, nos deux ostéopathes, qui depuis le départ rêvent de victoire. Mon Dieu. Franchement, ils mettent la barre très haute, très très haute. La victoire s'annonce rude, mais pas impossible. Non, c'est pas perdu, mais c'est dur. Le rythme est intense. Le niveau élevé, et pourtant ce soir, elles ne vont pas vraiment pouvoir se reposer. Tous les binômes doivent rejoindre ce campement grand luxe pour passer la nuit sous la tente, au bord d'un lac. Oh ! Il y a de l'orage ! Mais le tonnerre gronde, et une pluie battante commence à tomber. Pas vraiment le temps idéal pour dormir à la fraîche. Nos deux médecins, les Kodoks, viennent eux aussi d'arriver. Il est arrivé en fond, c'est exceptionnel. De leur côté, les garçons, Florian et Maf, ont eu plus de chance. Ils ont atteint le campement avant la pluie et sont déjà au sec sous leur tente. Mais notre humoriste n'a pas l'air rassuré. Qui m'a envoyé ici? Pourquoi je fais ça? Quant à Florian, comme depuis le début du séjour, il va encore devoir supporter les ronflements de son coéquipier. Il est dépité! Il en a marre de moi! On espère juste que l'orage sera plus fort que les ronflements. Voilà. Je suis vraiment désolé pour toi. Ce soir, ça va nous rapprocher, cette histoire. Toute la nuit, la pluie ne va pas cesser de tomber. Au petit matin, le soleil est de retour. Et le réveil n'est pas facile pour nos Français. Notamment pour l'ostéogang. On a hyper mal dormi et on a un espèce de motoculteur derrière, donc c'était catastrophique. Il faisait chaud, tout était mouillé, humide, donc la totale, et les moustiques. Donc pas beaucoup dormi. Marrant. On a de l'hôtel. Ouais.
Maf, lui, a au contraire bien rechargé ses batteries. Mais problème, pas celle de son téléphone. Les amis, qui a de quoi charger mon iPhone? Je veux faire un malaise. Il en a besoin pour donner des nouvelles à ses followers. Merci beaucoup, t'es le meilleur. Et si tous pensent que la matinée va être plus calme, ils se trompent. La pluie a inondé les environs. Tout est ultra glissant. La veille, un binôme a fait une sortie de route. Pas de blessés, heureusement, mais une très grosse frayeur. La route s'est transformée en rivière. Pour repartir, pas le choix, il faut la traverser. Au risque d'y rester coincé. Maf était à deux doigts de s'embourber. C'est maintenant au tour des médecins, Marine et Florian. Attention, il va falloir y aller one shot, je pense, Flo, là. Ah ouais. C'est bien, mon Flo, c'est bien. C'est bien, on travaille, youhou ! Ça passe ! Vas-y, reste concentré, là, on est bon, là. Attention, il y a un petit torrent, faut y aller, là. Attention. Mais oui, il l'a fait. Bravo, Flo-Flo. Oh, la vache. Aujourd'hui, après ce réveil mouvementé, nos aventuriers vont pouvoir se détendre un peu. Certains d'entre eux ont opté pour une session de surf. La plage de Devata est connue pour son ambiance cool et décontractée et son eau à 27 degrés toute l'année. Florian, notre audioprothésiste, semble apprécier. Il fait tellement chaud qu'elle est magnifiquement bonne. Hein. Pour rester des heures, très agréable. D'autres ont choisi de prendre plutôt de la hauteur et de voler au-dessus des forêts verdoyantes. Les jours passent et l'aventure les emmène dans des lieux étonnants. Cet hôtel au style so british ou ce restaurant branché dans lequel ils vont mettre l'ambiance. Car au-delà de la compétition, entre eux, des liens se sont créés. Un peu comme dans une colonie de vacances pour adultes. Cela fait bientôt une semaine que nos Français parcourent le pays. Pour eux, c'est l'heure des derniers moments avec les Sri Lankais. Il faut encore se surpasser. Il faut convaincre des locaux de leur apprendre à cuisiner un riz au curry, chez eux, dans leur cuisine. Oh, ça sent bon. Il faut oser quand même aller s'inviter chez l'habitant. Et tout. Mais ils sont gentils, les gens, ils nous acceptent facilement. Ou bien aider un commerçant à vendre ses fruits et légumes. Coco ! Notre 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 coco ! Une noix de coco achetée est égale à une noix de coco achetée. Tu veux ? Coconut ? Coconut ? Ils sont morts de rire. Coconut ? Please ! C'est vraiment une expérience incroyable. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'aurait jamais fait en vacances traditionnelles, d'aller vers les autres. C'est un partage. On partage avec les Sri Lankais. Maf l'exubérant et Florian le discret ne se connaissaient pas il y a encore 8 jours. Malgré ça, ils ont réussi à faire équipe. Coconut. Et sont même devenus très copains. On est quand même très différents. Sur le papier, ça faisait un peu au marais fred, mais... Ben exactement. Et en réalité, c'est vraiment au marais fred, parce qu'on rigole vraiment. Mais cette amitié inattendue leur permettra-t-elle de briller au classement de la compétition? Nous, ce qu'on veut avec Florian, c'est de ne pas rêver dernier. On ne veut pas gagner, on veut juste pas rêver dernier. Si pour eux ne pas arriver dernier serait une victoire, pour nos autres aventuriers, l'objectif est toujours la première place. Et pour ça, ils ont décidé d'optimiser les dernières heures avant la grande remise des prix de ce soir. On est un peu plus confortable.
confortable que dans un tuk-tuk quand même là. Nos deux autres binômes ont sympathisé pendant le voyage et ont décidé d'unir leurs forces. Ce jour-là, dans le parc national de Yala, bon, ouvrez les oreilles, comme dirait Marine. Ils tentent de relever le dernier challenge, photographier toute une liste d'animaux en liberté. On ne sait pas ce qu'on va voir, on sait qu'on peut ne rien voir, mais on sait aussi qu'on peut voir pas mal d'animaux, des éléphants, des crocodiles. Waouh ! Voilà, oui, c'est la petite douche matinale. Voilà. Ici, on peut aussi apercevoir des buffles d'eau. Mais ce qu'ils cherchent surtout, ce sont les éléphants. S'ils sont 300 à vivre dans la réserve, il n'est pas toujours facile de les apercevoir. Je rêve de voir un éléphant. Soyons là-dessus. Il y a la police. Je suis sur le qui-vive. La chance leur sourit. Oh ! Ils tombent sur un éléphanteau. Il y en a deux bébés, il y a deux bébés. Il y a un tout petit. Oh, il y a un doudou. Oh, il y a la madré. Madre mia. Une maman éléphant et ses petits, c'est encore mieux que ce qu'ils imaginaient. C'est incroyable. Et alors qu'ils pensaient avoir vécu leur plus beau moment de la journée, c'est un autre animal qui va les chambouler. Depuis le début du jeu, ils doivent photographier un paon qui fait la roue. Cela fait des jours qu'ils cherchent. Vas-y. Et là, à quelques heures de la fin de la compétition... Oh non. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils vont enfin obtenir ce qu'ils attendaient tant. Oui, 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 oui. Ah là là, c'est exceptionnel. C'est un peu... Oui, allez, merci, mon pote. Il refait là. Exceptionnel. On l'a tellement cherché. C'est l'émotion, je sais pas. C'est le Léon. La victoire se rapproche. Ce petit miracle leur permettra-t-il de remporter la victoire comme l'espère tant Lucie? Ils vont bientôt le savoir. Ce soir, c'est enfin l'heure des résultats. Les organisateurs finissent de compter les points. 2, 3, 4 et 5. Le binôme gagnant va remporter 500 euros de bon voyage à dépenser dans une nouvelle aventure. Après 10 jours de compétition, 700 km parcourus, une vingtaine d'épreuves, beaucoup d'efforts et de fatigue, le voyage se termine enfin pour nos 50 Français. Vraiment, j'aimerais que vous vous applaudissiez parce que c'était dur pour vous aussi, mais c'était génial. Il voulait éviter d'être dernier. Mission accomplie pour Maf et Florian. Ils finissent avant-dernier. 24e binôme sur 25. Est-ce qu'on peut recompter les points, s'il vous plaît? J'ai fait une très belle rencontre et t'es mon meilleur ami à partir d'aujourd'hui. Ils se sont promis de rester en contact à leur retour en France. Elles avaient un très beau tuk-tuk. C'était les ostéogangs. Lucie et Sarah, qui visaient la première place, arrivent, elles, sixième. Épuisées, mais ravies d'avoir donné leur maximum. C'est très bien. On est contentes. Le top 10, c'est génial. C'est une superbe aventure, je pense qu'on n'oubliera jamais. Hein. Quant à Marine et Florian, ils se hissent à la quatrième place. La fin d'une incroyable aventure pour eux et pour tous les autres. On est épuisés. On est crevés. On sait qu'on a vécu un truc de dingue. Ça, c'est évident. Unique. Exceptionnel. Bon, va falloir après qu'on atterrisse un peu. Là, on est encore... Ouais. Pour mieux repartir. Voilà. Super chouette. Ce sont ces deux amis qui décrochent finalement la victoire tant convoitée. Si tous ces Français n'ont pas vraiment passé des vacances très reposantes, tous ont eu la chance de découvrir le pays d'une façon unique. Loin, très loin, des séjours classiques au Sri Lanka.